Dernière retouche sur une Dodge qui bientôt sera peut-être dans votre garage. Cette Dodge d'exception constitue le lot unique d'une tombola organisée par le Rotary Club du Val-de-Saône. Et pour en faire un modèle aussi rare que rétro, le Rotary s'est tourné vers l'école Boisard à Vaux-en-Velin. Là-bas sont formés entre autres de futurs mécaniciens, peintres et carrossiers. On a acheté une 2 chevaux d'occasion et on a coupé le toit pour faire un décapotable. On a mis un kit en fibre de verre, on a mis des élargisseurs, on a démonté le moteur, on a tout nettoyé le moteur à la main. Pour le Rotary, la 2 chevaux et donc la Tombola doit financer un programme de lutte contre l'illettrisme. Et pour l'école, la voiture a permis à de nombreux élèves de se faire la main pendant 400 heures. Alors au tout début, c'était on va dire la montée de l'Everest. Et puis aujourd'hui qu'on est dans la finition, les élèves voient vraiment aboutir leur projet de plus de 400 heures, de 8 mois de travail sur ce véhicule dans la finition est vraiment fini. Donc ils en sont très très fiers. Bonne nouvelle, les mines devraient autoriser ce modèle unique à circuler légalement. Il ne vous reste plus qu'à avoir un peu de chance. 12 000 tickets sont mis en vente. Le prix du rêve, c'est 5 euros.